Coup de tonnerre au Mali, les partis politiques et associations à caractère politique sont suspendus d'activité. La décision a été prise à l'issue du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 10 avril 2024. Une mesure prise notamment pour des raisons d'ordre public, visant entre autres à maintenir la stabilité et la sécurité sur le territoire national. Le décret signé par le colonel Assimi Goïta est une mesure d'ordre public motivée notamment par des raisons politiques et sécuritaires. Relevé entre autres le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Est-ce une mesure salutaire ou pas? Que faut-il en attendre? Nous en parlons ce soir dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité. Et puis l'actualité africaine également dominée par l'arrivée du côté d'Abidjan du président du CTRI, le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est donc arrivé ce 11 avril 2024 à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail qu'il effectue jusqu'au 13 avril prochain. En début d'après-midi, le président du Gabon a été reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'occasion justement pour le président du CTRI de solliciter le soutien du président ivoirien pour la levée des sanctions imposées par l'Union africaine au lendemain du coup d'État du 30 août 2023. Que faut-il savoir autour donc de ce déplacement, le premier du genre pour le chef de l'État gabonais depuis les événements du 30 août dernier? Nous en parlons également ceci aux côtés de nos invités. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre émission, le point sur l'actualité qui démarre à l'instant, édition du 11 avril 2024. Et ce soir, nous mettons sur la table deux thématiques. La première, du côté du Mali, la suspension, bien sûr, de certains partis politiques, ou du moins de tous les partis politiques et associations à caractère politique pour des raisons politiques et sécuritaire. La répétition, elle en vaut la peine, car l'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres, tenu donc ce 10 avril 2024. Le décret a d'ailleurs été signé par le président du Mali, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et rendu public par le porte-parole du gouvernement, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. En deuxième partie, nous irons du côté du Gabon, ou du moins de la Côte d'Ivoire, parler du déplacement, du moins la visite d'amitié et de travail du général Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, président du CTRI, chef de l'État, aux côtés de Yves Ibrahim Bouka. Vous êtes avec nous ce soir une fois de plus. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir mon frère Guéné. J'espère que vous me recevez. Est-ce que vous nous recevez, Yves? Oui. Oui, nous, je vous reçois. Donc, je vous disais bonsoir et je vous remercie de me donner encore l'occasion de pouvoir m'étendre à nouveau sur votre, votre plateau pour pouvoir donc éclairer l'opinion africaine et même mondiale sur l'actualité politique de mon pays, le Gabon. Et j'en profite pour saluer donc mes copanélistes, donc mon copanéliste frère Fanga et le frère Patient Parfait d'Homme. Et je salue également donc les techniciens qui nous permettent effectivement de pouvoir être vus, entendus et écoutés par l'ensemble de nos téléspectateurs africains. Merci. Merci à vous, Yves Ibrahim Bouka. À nos côtés également ce soir en direct du Mali, Moussa Zandiara. Bonsoir à vous, très cher monsieur, et bienvenue. Bonsoir, cher frère, bonsoir, cher camarade. Voilà. Je suis Moussa Zandiara, depuis Bamako. Voilà, je suis ravi vraiment d'avoir d'être invité sur votre plateau par rapport à l'actualité de mon pays, auditeurs, tous les téléspectateurs et les copains. Merci beaucoup.
Merci à vous, Moussa Zandiara, en direct de Bamako, au Mali. Alors, Moussa, est-ce possible justement que vous mettiez votre téléphone en mode paysage pour que la qualité de l'image soit optimale, afin bien sûr qu'on puisse mieux avoir, ou du moins afin que nous ayons un retour image adéquat? Merci à vous, Moussa Zandiara, à nos côtés pour compléter le panel. Il y a également, une fois de plus, des nôtres, André Christel Fanga, consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Bonsoir à vous, DP. Bonsoir, monsieur Nguéné. Merci pour l'invitation encore ce soir pour commenter, apporter une analyse, une expertise, un point de vue, n'est-ce pas, par rapport aux différentes thématiques que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour. Surtout des thématiques qui sont hyper importantes parce que ça concerne deux pays qui ont deux visions différentes. Et dont nous allons aller en profondeur pour mieux comprendre la géopolitique et la géostratégie qui gouvernent, n'est-ce pas, ces différents États. Merci pour les téléspectateurs, merci pour ceux qui ont répondu présents aussi sur Zoom, n'est-ce pas, mon frère et ami qui est du côté du Gabon. Bon, il est au Maroc, qu'il est en résidence au Maroc, mais il est gabonais. Et notre frère du Mali, camarade combattant de lutte, n'est-ce pas, qui est aussi avec nous, qui est un peu non aussi un peu camerounais. Il y a un Zan quelque chose là. Donc, Moussa Zandiara. Moussa Zandiara. Donc, voilà. Donc, ravi de partager le plateau avec eux. Permettez-moi de me satisfaire d'une. D'une information ou bien de la visite, n'est-ce pas, de l'illustre, n'est-ce pas, que votre président directeur général a organisé durant quelques jours, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, de la visite, n'est-ce pas, de l'illustre combattant Charles Blé Goudé, appelé souvent général de la rue, ministre, président du COGEP, qui a fait quelques jours dans notre pays, et qui a apporté un message d'abord de remerciement et un message aussi galvanisant pour nous les panafricanistes de ne pas baisser les bras et de continuer le combat. Avoir un témoignage comme celui-là de combat que nous menons, alors ça redonne assez de force pour continuer la bataille. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le discours panafricaniste est en train d'envahir toute l'Afrique et le monde entier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et dont nous voulons dire toute notre satisfaction d'avoir pu échanger, n'est-ce pas, avec ce brillant Africain, appelé le ministre Charles Blé Goudé, le président du COGEP, et cet homme, cet illustre, n'est-ce pas, en fait, un martyr vivant. C'est comme ça que je peux le définir, n'est-ce pas, un martyr vivant. Parce qu'on parle souvent des martyrs quand ils sont déjà morts. Mais je pense qu'aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé, président du COGEP, est un martyr vivant. Au vu de son récit, au vu de tout ce qu'il a traversé, alors là, nous pouvons dire que le ciel a approuvé, n'est-ce pas, cet homme-là par rapport à une mission spécifique dans, dans cette Afrique, dans son pays natal et dans le monde entier. Donc, véritablement, dire merci au président directeur général Serge Espoir Matomba. Bon, je n'aime pas beaucoup parler de sa casquette politique. Parce que moi, je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas un homme politique. Donc, j'aime mieux, je me focalise, n'est-ce pas, sur le promoteur, sur le créateur de richesses, sur l'employeur, sur cet homme, n'est-ce pas, qui se bat au quotidien pour voir d'autres jeunes Camerounais exprimer leur talent, avoir un emploi et prendre soin de leur famille. Lui dire merci parce que il a rendu cela possible. Et comme le ministre Charles Blé Goudé lui-même le disait, il y a eu 4 tentatives de venir au Cameroun, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'il y ait un homme qui porte de l'espoir. Comme le dit son nom, Espoir Serge Matomba, pour que les facilités nécessaires puissent se faire et qu'ils puissent arriver au Cameroun et échanger avec les Camerounais et leur dire merci. Donc vraiment, je vous remercie Nguéné pour ces petites secondes que vous m'avez accordées pour rendre ce témoignage, n'est-ce pas, à ces deux personnages, l'organisateur de la visite et
celui qui était l'invité principal, n'est-ce pas, de ces échanges-là, de ces remerciements-là. Et le visiteur, de toutes les façons, le Charles Blégoudé, et qui vient donc d'achever officiellement sa visite de remerciement au Cameroun. Il s'est envolé ce jour pour son pays natal, la Côte d'Ivoire, mais de façon générale, il est donc arrivé au Cameroun. Vous l'avez d'ailleurs mentionné, André Kissel Fanga, grâce à la facilitation du premier secrétaire du Peuple Uni pour la rénovation sociale, le président Serge Espoir Matomba. Mais au-delà même de cette thématique très alléchante, ou du moins de ce sujet très alléchant, et surtout de ces conférences qu'il a eu à tenir, que ce soit du côté de Yaoundé ou encore du côté de Douala, messieurs, intéressons-nous ce soir à ce qui se passe concrètement chez vous, au Mali, Moussa Zang Diarra. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres tenu du côté de Bamako le 10 avril, c'est-à-dire il y a moins de 24 heures. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. On annonce donc la suspension des partis politiques, ou du moins de toutes les activités des partis politiques et associations à caractère politique. Les raisons qui sont avancées, on annonce bien sûr des raisons politiques en rapport avec la tenue du dialogue intermalien, mais également des raisons sécuritaires. Mais en ayant à l'esprit Moussa Zang Diarra, que justement il y a quelques jours de cela, ces partis politiques avaient exigé l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, est-ce une mesure que, à votre niveau, vous saluez ou pas, Moussa Zang Diarra? Ok, merci bien. Voilà, je pense au Mali, on s'attendait, nous en tant qu'acteurs de la société civile, on s'attendait à cette décision il y a fort longtemps, parce que vu le climat politique, vu l'insécurité qui sévise et vu aussi la situation géopolitique et géostratégique au Mali ici, on s'attendait à cette décision. Quand même, ça ne nous a pas surpris. Vu que ces derniers moments, le climat politique avait pris d'autres tournures avec des alliances contre nature entre les partis politiques qui ne se sont jamais entendus ou qui sont toujours opposés l'un contre les autres, qui se sont réunis pour faire un communiqué conjoint pour pousser, je peux dire en un mot, forcer le régime de la transition à aller aux élections. Donc, chose qui nous semble un peu vraiment à travers, parce que dans la logique des partis politiques, il y a quand même une charte qui régit les partis politiques depuis 2005. Et il y a une loi qui régisse sur les associations à caractère à but non lucratif et à caractère politique depuis 2005 aussi. Donc ces lois ont été prises par les autorités de la transition et afin de faire vraiment suspendre ces actions, ces activités des partis politiques pour le moment. Parce qu'en attendant, en écoutant le porte-parole du gouvernement, il a dit, dans la charte des partis politiques, le gouvernement ne peut pas dissoudre les partis politiques en tant que tels, mais le président peut passer par voie juridique pour vraiment dissoudre les partis politiques. Donc, on n'a pas dit que les partis politiques sont dissous. Il y a un parti qui a été dissous, qui est le parti de Oumar Marcon. Tout le monde le sait ce qui s'est passé entre le régime et l'opposant Marcon, qui s'est mis à donner des situations sur le Mali qui s'avèrent vraiment fausses. Donc, et en plus, il s'est exilé à un pays qui bat, vraiment, dont le Mali ne s'attend pas, avec la France, et, y compris aussi avec la Côte d'Ivoire. Donc, Oumar Marcon s'est mis sur ce chemin, vraiment, qui n'est pas dans la logique aussi de la conquête du pouvoir. Donc, les autorités ont jugé nécessaire de dissoudre son parti politique. Il y a eu des associations aussi tout récemment qui ont été dissoutes, comme le cas des semences de Oumar et Imam Diko. Même l'association des élèves et étudiants du Mali, AEAM, a été dissoute par les autorités tout récemment. Donc, avec
cette alliance contre nature par certains partis politiques au Mali, nous on s'attendait vraiment à cette décision du gouvernement. Et il faut reconnaître aussi que c'est vrai, la transition avait donné un chronogramme qui devrait prendre fin le 26 mars passé. Mais bien avant ça, en mois de janvier, le gouvernement avait annoncé qu'il y aura quand même un glissement sur le calendrier électoral. Donc on attend le gouvernement à ce qu'ils vont planifier un nouveau calendrier pour la tenue des élections. Surtout, ils ont été clairs qu'ils vont organiser uniquement les élections présidentielles. Donc pour nous, la crise auquel le Mali quand même traverse, pour nous, c'est mieux que d'attendre pour le moment et s'asseoir, discuter, surtout les dialogues intermaliens qui se font à l'horizon, qui est prévu pour le samedi et dimanche prochain. Donc nous, on pense vraiment que les partis politiques devraient attendre ces dialogues-là pour que les Maliens puissent s'asseoir, discuter et sortir dans ces dialogues avec un programme, avec un planning bien dressé, bien ficelé pour vraiment planifier les élections à venir. Pour nous, l'air n'était pas vraiment propice que les partis politiques se réunissent contre le régime, vu que la situation est vraiment fragile et la situation ne peut pas aller en défaveur des Maliens sans que les Maliens ne s'unissent pas, sans qu'on ne s'assoie pas pour discuter. Parce que l'ennemi n'est jamais loin. Et il passe toujours par la voie, soit par ses organisations de la société civile, soit par ses partis politiques pour essayer de renverser le régime sur place. Et nous savons tous que nous sommes en phase de la refondation. La refondation a commencé depuis 2021 à travers les dialogues inclusifs et en passant aussi par le référendum, parce que nous avons eu à faire le référendum avec la nouvelle constitution. Donc, pour nous, mieux vaut attendre quand même que le climat soit vraiment apaisé pour qu'on puisse aller vraiment à une élection vraiment apaisée et transparente pour l'intérêt de tous les Maliens. Alors, vous parlez du dialogue intermalien, et quand on prend l'extrait, ou du moins la sortie du ministre malien de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, il souligne également la nécessité pour ce dialogue de se tenir dans un contexte dénué de toute confusion ou encore de toute cacophonie. Est-ce que vous estimez, Moussa Zandiara, que cette mesure de suspension pourrait au contraire avoir l'effet inverse par rapport à ce que les autorités, ou du moins si on part bien sûr sur la base de l'argument qui est avancé justement par les autorités maliennes. Est-ce qu'il faudrait craindre que justement cette suspension ait l'effet inverse sur le dialogue intermalien? Non, je dirais que ça n'aura pas vraiment un effet inverse sur le dialogue, parce qu'il faut reconnaître que notre jeune démocratie a aussi des chemins à faire. Nous avons aussi besoin de refonder même la classe politique malienne. Depuis 1991 jusqu'à nos jours, le Mali, avec 22 millions d'habitants, nous avons 293 partis politiques chez nous. Quand tu prends les élections, depuis 1992 jusqu'à nos jours, le taux de participation des élections n'a pas dépassé les 37%. Je vais prendre l'exemple seulement sur les élections de 2018 qui a élu quand même Ibeka. Il y a eu à peu près 8 500 000 et quelques électeurs inscrits sur la liste électorale. Les cartes d'électeurs qui ont été retirées n'ont pas dépassé les 5 millions de cartes d'électeurs et ceux qui ont parti voter dans les urnes n'ont pas dépassé les 3 millions de Maliens. Donc, parmi les 3 millions, c'est 1 million seulement et quelques qui ont voté pour Ibeka, qui ont élu Ibeka à la présidence. Donc, quand tu prends la légitimité dans ces cadres, dans la logique démocratique, est-ce que réellement ce président doit être dit présent légitime
légitimement élu. Donc il y a toute cette question avec ces partis politiques. Oui, c'est vrai, il y a 293 partis politiques, mais combien de Maliens ont pour ces partis politiques-là? Est-ce que le pouvoir se place, est plus fort, est plus écouté que les partis politiques? Oui, je dirais oui, parce que présentement, quand il prend les statistiques sur la transition, et quand il prend la statistique sur aller aux élections, les statistiques pour la transition est plus élevé que les statistiques qui demandent à aller aux élections. Malgré le nombre exorbitant même des partis politiques, ce qui montre que les Maliens vraiment veulent aller sur cette base de refondation, et cette refondation passe obligatoirement par le dialogue. Parce que vu que le Mali s'est retiré de l'accord d'Alger, ça nécessite aussi qu'on se retrouve pour parler de ce qu'on va faire et pour planifier sur les perspectives à venir. Parce que la crise, ce n'est pas pour cette année, c'est pour les 10 ans, les 20 ans, les 30 années qu'on doit vraiment viser et qu'on doit aussi discuter et qu'on doit aussi vraiment mettre nos différences, nos différences à côté et songer par rapport à l'avenir des enfants du Mali. Donc, de ce fait, je ne dirais pas que cette décision va avoir quand même un effet sur le dialogue, parce que le dialogue, c'est au niveau national, c'est à partir des villages, des communes, des cercles, des régions, y compris aussi au niveau de l'État central. Donc, c'est les parties communales qui vont démarrer le samedi prochain. Et je suis sûr et certain que les Maliens vont participer pleinement et il y aura quand même aussi des bonnes propositions qui vont sortir de ces dialogues. Mmh. Avant de poursuivre aux côtés justement des autres panélistes, André Kistelfanga, sur le plateau, encore Yves Ibrahim Bouka de l'autre côté, prenons l'extrait justement du ministre malien de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Il revient justement sur cette mesure. Il donne également son avis sur cette revendication, ou du moins sur les réclamations qui ont été clairement formulées depuis plusieurs semaines par ces mêmes partis politiques qui exigent jusqu'ici, de la part des autorités maliennes, l'organisation rapide de nouvelles, du moins des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, ceci après l'expiration de la date, ou du moins de la période de transition qui a donc pris fin officiellement le 26 mars dernier. L'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que, quelque part, les réponses idoines leur ont été données par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. Pourquoi juridiquement, on sait, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et 6 mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquent. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments, ayant poussé nos plus hautes autorités à prendre cette mesure de suspension des activités à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui sortent, qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément, seront répondus par d'autres forces et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter qu'au moment que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage
une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Alors, André Kisselfanga, c'est la mesure qu'il fallait prendre pour avoir un dialogue intermalien dénué de toute cacophonie, de toute confusion. Est-ce réellement la mesure qu'il fallait prendre pour, entre autres, avoir cette forme, ou du moins cette sorte d'union sacrée dont parle le ministre malien de l'administration territoriale? Voilà, êtes-vous de ceux qui pensent qu'elle est un tout petit peu, peut-être qu'elles sont allées un tout petit peu loin, les autorités maliennes, en suspendant ainsi les activités de ces partis politiques? Monsieur Nguéné, vous savez que je ne suis pas un démocrate. Je ne suis pas un démocrate. Je ne suis pas un démagogue. Je ne suis pas ce que... Je ne fais pas dans la langue de bois. C'est une décision salutaire. Je dis bien une décision salutaire. Parce que des petits agents de l'impérialisme cachés sous la bannière de partis politiques, sociétés civiles, ONG et tout ça, veulent créer un désordre financé par certaines confréries, veulent créer de l'amalgame, veulent nous amener, soi-disant, Assimi Goïta et ses hommes veulent rester au pouvoir à vina aeternam, sans élection, sans ceci. Mais écoutez, chers Africains, chers téléspectateurs de Foyou, citez-moi un seul pays qui s'est développé après les élections. Citez-moi un seul Africain qui s'est développé parce qu'ils allaient aux élections régulièrement, parce qu'il y avait alternance au pouvoir après chaque élection, ou bien peut-être le même gouvernement continuait, peut-être avait ses deux mandats et il y avait élection. Citez-moi un seul pays africain qui s'est développé avec ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus dans la langue de bois chez nous en Afrique. Qu'on choisisse nous-mêmes nos propres mécanismes de comment nous allons gouverner nos États. Au lieu d'avoir des partis politiques spendiés, des partis politiques qui sont engraissés, des partis politiques qui sont financés, n'est-ce pas, par ceux qui veulent détruire nos pays et notre continent. Donc, certains observateurs, d'ailleurs, estiment néanmoins qu'on devait au moins écouter les revendications de ces partis politiques, puisque nous avons un chronogramme de transition qui prend fin officiellement le 26 mars dernier. Et certains d'entre eux disent qu'ils ne comprennent pas le mutisme ou alors le silence qui est opéré, notamment au niveau du sommet de l'État. Il n'y a pas eu mutisme, M. Guéné. D'autres estiment que si, justement, la période de transition prend fin, il faudrait au moins qu'il y ait quelque chose qui sorte, ou du moins qu'il y ait, ou du moins que les autorités de la transition réagissent par rapport à ce chronogramme de transition. Vous avez lu le communiqué du 6 janvier, de janvier. Je crois que c'était le ministre Maïga l'a rappelé tout à l'heure, qui annonçait déjà qu'il n'y aura pas des élections. Qu'il serait difficile d'organiser des élections dans un tel contexte. C'est impossible. Et je pense qu'il ne faut pas que nous les Africains, nous nous laissons berner, nous nous laissons encore tromper, comme hier, en allant forcer une élection, n'est-ce pas? On a vu le forcing des élections dans certains pays, ce que ça produit. Vous vous rappelez, d'ailleurs, le ministre Charles Blé Goudé qui était au Cameroun, tous ces problèmes se sont produits par rapport à quoi? À cause d'une élection. Une élection où on a demandé aux Ivoiriens d'aller aux élections alors que le pays était divisé en deux. On a demandé aux Ivoiriens d'aller aux élections alors que le pays était divisé en deux. La bande Ouattara et Kimbafori Soro Guillaume avaient des armes. On a même dit désarmer, 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 désarmer avant d'aller aux élections. Personne n'a désarmé. L'ONU qui était même l'ONU-ci,
qui était même, n'est-ce pas, derrière cette affaire pour dire qu'il faut désarmer, n'a pas désarmé le clan des rebelles. Parce qu'il y avait toujours des tueries. Et on a forcé d'aller à une élection sans que la Côte d'Ivoire ne soit stable, sans que la Côte d'Ivoire, les rebelles aient déposé les armes. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit qu'il y a eu un génocide. Parce que c'est un génocide que M. Alassane Dramane Ouattara et Kimbafori Soro Guillaume ont causé en Côte d'Ivoire, où il y a eu près de 3 millions de morts. Pas les 300 000 morts de la commission Conan Bali, où on a forcé qu'il fallait qu'on s'arrête à ça. Donc, parler des élections, ou bien d'aller forcément aux élections, ayant des difficultés de défense, ayant les difficultés de sécurité dans un État, alors c'est vouloir créer le désordre dans cet État. Donc, la réaction, n'est-ce pas, des hautes autorités maliennes qui dirigent la transition malienne est salutaire. Je dis bien est salutaire. Aussi longtemps, et je pense que c'est un message qu'il faut faire passer dans la plupart de nos États, aussi longtemps qu'il y aura une once de djihadistes, de rebelles, de rébellion, de ceci dans un coin de nos pays, il n'y aura plus élection. Je dis bien, quand il y aura des velléités de sécession, des velléités de djihadisme, de terrorisme, dans un coin d'un territoire, il n'y a pas élection. Parce que la plupart des djihadistes, la plupart des terroristes, la plupart, n'est-ce pas, de ces soi-disant partis politiques, ONG, ou bien ceux qui réclament peut-être la partition sécessionniste, sont la plupart financés par l'Occident. Vous savez qu'il y a au Cameroun, nous sommes au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a sommé deux sociétés, n'est-ce pas, de télécommunications au Cameroun, dont je ne veux pas citer les noms, de faire identifier, de faire véritablement identifier, n'est-ce pas, ceux qui utilisent les numéros dans le nord-ouest et le sud-ouest et à l'extrême nord. Parce que la plupart des terroristes, n'est-ce pas, utilisent des numéros, n'est-ce pas, pour appeler ou bien pour créer des kidnappings et tout ça. Et recevoir aussi des transferts d'argent. Donc vous voyez que les transferts d'argent venus même de l'étranger, n'est-ce pas, nourrissent et entretiennent la guerre. Donc pour simplement dire que les autorités maliennes ont compris les enjeux et nous les encourageons. C'est comme si l'autre jour quand je parlais, ils avaient compris. Quand je disais qu'il faut véritablement qu'on prenne des mesures assez fortes par rapport à certains leaders politiques, à certains partis politiques, à certaines choses dans notre continent. Si les élections ne nous apportent rien, on les annule. Si c'est les partis politiques ne nous apportent rien, on les suspend. Comme s'il n'y a que de manière juridique qu'il faut peut-être dissoudre un parti politique, n'est-ce pas? Alors, en tant qu'autorité d'abord, on les suspend avec une durée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est des décisions salutaires et qu'il faut véritablement que nous prenions conscience que nous avons des défis majeurs à relever et non nous attarder parfois sur des choses qui n'apportent pas grand-chose. Je finis avec toujours ce même exemple que j'ai pris l'autre jour sur votre plateau. Allez-y. La France se retrouve en danger. C'est-à-dire la France est sous occupation allemande. De Gaulle organise la résistance. Je dis bien la résistance. Parce qu'il est déjà en exil. Il organise la résistance. C'est comme ça que, en organisant la résistance, il vient jusqu'au Cameroun prendre des soldats pour aller libérer la France. En fait, il a pris les soldats sur presque toute la ligne, le corridor jusqu'à l'île de Gorée, n'est-ce pas, pour entrer, n'est-ce pas, pour aller libérer la France. Donc, il a fait 14 ans de transition. Je dis bien 14 années de transition, le général de Gaulle en France. 14 ans de transition. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord libérer la France, n'est-ce pas, d'abord faire partir les Allemands. Deuxièmement, et d'ailleurs, la France, les États-Unis voulaient s'installer en France. De Gaulle a demandé que les bases militaires américaines ne puissent pas véritablement s'installer en France, que les militaires américains doivent partir.
Pourquoi maintenant, nous les Africains, quand on demande que les bases françaises doivent partir, ils ne sont pas d'accord? Il fallait que des autorités courageuses comme ceux du Mali les bottent, n'est-ce pas, pas derrière pour qu'ils dégagent. Donc vous comprenez que on ne prend pas le mauvais exemple, oui, mais on illustre, n'est-ce pas, nos propos pour que les Africains puissent mieux comprendre la situation actuelle du Mali qui n'est pas encore stable. Pour eux, il n'y a donc pas de crainte pour le dialogue. Non, il n'y a pas de... Exactement. L'effet inverse. Non, non. Ceux qui prédisent aujourd'hui un effet inverse. Non. Et c'est même l'objectif recherché. C'est-à-dire donner la capacité aux Maliens maintenant de venir échanger entre eux, de parler. Maintenant, OK, au lieu de vous cacher, n'est-ce pas, derrière les partis politiques, derrière les déclarations des partis politiques, venez maintenant, nous, on s'assoit et on parle... Yeux dans les yeux. OK, vous voulez les élections? Oui ou non? Vous voulez quoi? Vous voulez la fin de la transition? Qu'est-ce qu'on veut? En fait, ils vont se décider pendant ce dialogue. Merci à vous. Le ministre malien, d'ailleurs, a apporté toutes les assurances nécessaires. Il n'y a pas de vide juridique institutionnel au Mali. Le porte-parole du gouvernement l'a clairement mentionné. Alors, Yves Ibrahim Bouka, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui du contexte politique au Mali, entre notamment la fin de la période de la transition, la sortie de ces partis politiques qui exigent l'organisation d'une élection pour un retour à l'ordre constitutionnel, et derrière la sortie du gouvernement malien qui suspend les activités justement de tous ces partis politiques et associations à caractère politique. Merci mon frère Nguéné pour cette question hautement pertinente vu l'actualité brûlante du côté du Mali. Alors, pour répondre à cette question, il est important d'abord de faire un retour en arrière. Parce qu'on a l'impression que ce qui se passe au Mali, c'est inédit, ça n'a jamais été vu. Sur la terre, ce que le Mali fait, c'est vraiment un crime de lèse humanité, si je peux dire ça comme ça, d'accord. Alors que, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, quand ils remontent en arrière, la France, durant la Seconde Guerre mondiale, elle avait suspendu tous les partis politiques. Nous sommes là, dans un pays en guerre, d'accord. Là, récemment, encore à côté, on a l'Ukraine, qui est un pays en guerre. Le président Zelensky a suspendu tous les partis politiques d'opposition. Il l'a fait. Parce que ce sont des pays en guerre. Alors, le Mali, qui est un pays en guerre, suspend les partis politiques. Où est le problème? Où est le problème? Moi, je pose la question. À tous ceux qui sont en train de faire de l'agitation, qui veulent créer une tempête dans un verre d'eau, où est le problème? Le Mali, c'est un pays en guerre. C'est tout à fait normal. Le pays fait face à un péril extérieur. Il faut bien qu'elle puisse se concentrer et qu'elle puisse bien réunir ses forces, mobiliser ses forces sur le plan intérieur pour pouvoir faire face à ce péril. Donc ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et même là, à côté, il y a des pays qui sont en paix, où les partis politiques d'opposition n'ont pas le droit de citer. Ils sont pleins. Si vous allez du côté des pétromonarchies, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a l'opposition en Arabie Saoudite? Il n'y en a pas. Vous allez au Qatar, est-ce qu'il y a une opposition là? Il n'y en a pas. Hein? En Chine. Les gens crient au scandale. Alors que nous sommes dans une situation d'exception. Le Mali a besoin de concentrer ses forces, a besoin de mobiliser ses moyens pour d'abord affronter ce pays extérieur. Puisque c'est un pays qui est en guerre. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, face effectivement à cette décision qui a été prise par les autorités maliennes, moi, je dis bravo. Parce qu'il n'est plus question de se laisser distraire. Le Mali, le peuple malien et le peuple africain de manière globale est dans une lutte existentielle. Ce combat qui est mené au Mali, c'est un combat existentiel. Parce que l'insécurité et le terrorisme qui frappait, qui enduait les Maliens il n'y a pas si longtemps, menaçait même les fondements de l'État malien. Donc, pour pouvoir effectivement faire en sorte que le Mali puisse continuer à exister, on a besoin effectivement de faire en sorte qu'au niveau intérieur, il y ait une accalmie, il y ait une situation effectivement qui peut permettre
aux autorités maliennes, aux autorités d'attention maliennes, de pouvoir concentrer leurs énergies et leurs forces sur le problème qui est là. Donc, cette décision, elle est salvatrice. D'autant plus que nous savons que parmi ces partis politiques, parmi ces associations de la société civile à but non lucratif, paraît-il, entre griffes, d'accord, certaines sont subventionnées de l'extérieur. Pourquoi ? Pour, en fait, des objectifs subversifs. Ils reçoivent des financements de l'extérieur pour amener simplement la chienlit, pour amener l'instabilité, pour amener des tensions et qui vont profiter aux ennemis du Mali qui sont là tapis dans l'ombre, qui n'attendent que ça. Donc c'est totalement fondé cette décision qui a été prise par les autorités maliennes. C'est très très important. Et nous sommes les Africains qui regardons les Maliens, qui regardons ces politiques maliens agir de la sorte. Nous sommes franchement déçus parce que ce qui se joue au Mali, ce n'est pas un jeu. Pour que ces derniers veuillent venir sacrifier les sacrifices, veulent venir, je veux dire, fouler du pied les sacrifices consentis par les Maliens et pris de la souveraineté de leur pays sur l'autel de leurs ambitions politiques. C'est franchement désolant. Et il faut que, en Afrique, désormais, on mette hors d'état de lui ce type d'homme politique-là. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin des gens qui sont motivés par, on va dire quoi, par le besoin de voir leur pays devenir souverain, devenir véritablement indépendant, de s'affranchir du joug néocolonial. On a besoin de ce type d'homme politique. On ne veut plus d'homme politique qui vient en Afrique pour venir simplement penser à leurs petits intérêts égoïstes. On doit mettre un terme à ça. On doit vraiment mettre un terme à ça. Moi, je dis même que le président Assimi Goïta, il est même gentil. Ce que ces hommes politiques maliens-là veulent vouloir faire là, si c'était dans un pays comme la Corée du Nord, ces gens-là, je pense que on parlerait un autre langage avec ces gens-là. On parlerait un autre langage si c'était dans un pays comme la Corée du Nord. Parce qu'eux, ils ne s'amusent pas. Toute personne qui peut constituer une porte d'entrée des impérialistes, des agents subversifs de l'Occident, ils sont automatiquement, purement et simplement neutralisés. Et quand je parle de neutraliser ici, c'est avec beaucoup de féminisme. D'accord ? Donc moi je pense même que le colonel Assimi Goïta, il est gentil. Il est gentil. Il n'est pas. Faut que les gens arrêtent de vouloir lui donner un qualificatif ou lui affubler le qualificatif d'homme cruel, de quelqu'un qui est d'un potentat, dictateur qui. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Là encore, il y a encore une tentative de vouloir manipuler l'opinion pour noircir quelqu'un qui lutte pour les intérêts de son pays, de son peuple et de l'Afrique tout entière. Voilà mon premier sentiment par rapport à cette question. Ah, merci à vous. On va afficher les codes d'accès et repartir également au même moment du côté du Mali, retrouver Moussa Zandiara. Vous êtes à Bamako justement. Parlons de ce contexte, mon cher Moussa Zandiara. Est-il favorable ou pas pour la tenue d'une élection aujourd'hui? Ou alors, comment expliquez-vous toute cette agitation autour d'un retour à l'ordre constitutionnel dans votre pays? Est-ce qu'il nous reçoit, Moussa Zandiara? Nous aurons certainement l'occasion de le retrouver, Moussa Zandiara, en direct de Bamako, mais nous allons d'ores et déjà afficher les codes d'accès pour tous ceux qui voudraient néanmoins réagir et surtout partager leurs analyses avec nous sur le plateau. On parle bien sûr du Mali, mais surtout de cette sortie des autorités qui suspendent donc officiellement les activités des partis politiques, mais également de toutes les associations à caractère politique du côté de Bamako. Alors, vers quoi se dirige-t-on André Christel Fanga, le dialogue intermalien, c'est dans, du moins, s'ouvre dans quelques jours seulement. Vous avez suivi Moussa Zandiara dimanche et samedi et dimanche prochain. Que faut-il faire justement pour qu'on évite les erreurs du passé? Les Maliens doivent se parler avec sincérité, honnêteté, pour finalement que le processus en lui-même se tienne dans un contexte apaisé, comme le souhaitent d'ailleurs les autorités. Je pense que si les autorités de transition sont au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à la volonté des Maliens. Je l'ai toujours pris cet exemple, je n'ai jamais vu, et d'ailleurs il y a, je ne sais pas qui a fait cette analyse là tout à l'heure, je crois que c'est Zandiara, qui disait qu'il y a 20 millions de Maliens,
Et aux élections, il y a 8 millions d'inscrits. Mmh. Et finalement, c'est 3 millions qui vont voter. Mmh. Et le président est élu avec peut-être 1 million ou 2 millions de voix. Quand je le dis, c'est pour faire un peu le rappel des mobilisations, n'est-ce pas, des Maliens pour soutenir les autorités de transition ou bien pour appeler, n'est-ce pas, au départ, n'est-ce pas, que ce soit des bases françaises, que ce soit des militaires français, que ce soit des autorités qui étaient là, qui gouvernaient en ce moment-là. Et nous avons vu durant cette période-là, 4 millions et demi de Maliens mobilisés pour dire non, n'est-ce pas, à l'impérialisme, non à la, à Ibeka, non au système néocolonial qui a été installé au Mali. Et qui se sont mobilisés davantage pour dire oui à la transition, oui, n'est-ce pas, qu'il y avait d'abord une première transition, il faut le rappeler. Et quand les Maliens ne trouvaient pas satisfaction, n'est-ce pas, de cette transition, n'est-ce pas, qui était conduite par Mokhtar Ouane et Mbandao, n'est-ce pas, il y a eu rectification. Rectification, c'est là où Assimi Goïta et aujourd'hui le Premier ministre Choguel Kokala Maïga ont pris les rênes du pays pour la bonne gestion. Et vous voyez qu'il y a une jonction entre le peuple, les autorités, c'est-à-dire les hommes politiques. Ouais. Parce qu'il faut mettre Choguel Kokala Maïga dans le giron des hommes politiques maliens. C'est un paramilitaire. Ce n'est pas militaire, c'est un civil. Et qui a été longtemps candidat à l'élection présidentielle, qui a été candidat à l'élection présidentielle, n'est-ce pas, au Mali. Donc c'est un homme politique aguerri. Je dis bien un homme politique aguerri, qui est Premier ministre dans la transition. Avant maintenant d'avoir le colonel Assimi Goïta, président, n'est-ce pas, de cette transition. Donc, vous voyez qu'il y a une jonction de force, sans compter le Parlement, n'est-ce pas, qui est justement composé, n'est-ce pas, le Parlement populaire, parce qu'il faut appeler ça vraiment comme cela, qui a vu, au vu des après les assises, n'est-ce pas, qui a vu cette organisation se mettre en place, où nous saluons Amina Fofana, honorable Amina Fofana, n'est-ce pas, et Issa Diawara et tous ces grands combattants-là qui étaient au devant de la scène, justement. Donc, vous voyez que dans cette jonction de partis politiques, des hommes politiques, des partis politiques, des leaders de la société civile, des militaires, du peuple en général. En fait, c'est le peuple en général qui ont créé la transition pour mettre en mal le faux système néocolonial installé au travers des soi-disant élections démocratiques. Donc, quand je l'ai dit, c'est que c'est la volonté du peuple malien que cette transition existe. Alors si c'est la volonté du peuple, maintenant asseyons-nous pour voir. Nous nous sommes donné un mandat, un timing. Oui. Et ça, il faut le rappeler que c'était le calendrier selon la CEDEAO. Parce que le Mali le était encore... Le programme de transition approuvé par la CEDEAO. Approuvé par la CEDEAO. Ça, c'était parce que il y avait les pressions de la CEDEAO et le Mali étant encore membre de la CEDEAO. Maintenant que le Mali n'est plus membre de la CEDEAO, cette décision devient automatiquement caduque. C'est-à-dire, il faut maintenant aller dans de nouvelles discussions. Il faut maintenant s'entendre. Il faut maintenant qu'on s'enseigne et on discute. Donc, l'intelligence, n'est-ce pas, de ces autorités de transition qui appellent maintenant le dialogue inter-malien. C'est-à-dire, nous sommes maintenant entre nous. Nous ne sommes plus dans le chronogramme de approuvé par la CEDEAO parce que nous ne faisons plus partie de cette organisation-là. Alors, qu'est-ce que nous pensons, Maliens? Asseyons-nous et discutons. Si c'est l'organisation des élections à une date que nous allons choisir, on y va. Si c'est la durée de la transition, n'est-ce pas, qui doit être déterminée, c'est-à-dire, on dit, ok, on donne encore peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il faut d'abord rappeler que la transition et les populations maliennes avaient souhaité faire 5 ans. 5 ans de transition. Vous voyez un peu, pour essayer au moins, ça, vous savez, M. Nguéné, les révolutions, pour implémenter la stratégie de la révolution, ce n'est pas en un jour.
ce n'est pas en un an, ce n'est pas en deux ans. Surtout dans des pays qui ont été lobotomisés comme les nôtres, avec des hommes politiques qui ont été lobotomisés comme les nôtres, comme avec des gens qui ont été quasiment... on a enlevé les chaînes des pieds, n'est-ce pas, des coups, et on a inculqué ces chaînes-là dans les cerveaux. C'est-à-dire les cerveaux sont sclérosés pour penser seulement que le moyen de dévotion du pouvoir ou bien d'attribution du pouvoir n'est que élection. Donc, enlever cela dans la tête, n'est-ce pas, des gens, alors la preuve en est, le narratif occidental, c'est quoi? Junte militaire au pouvoir. Bon, donc De Gaulle lui-même était un homme de la junte au pouvoir, n'est-ce pas? Celui qui est le référentiel politique le plus, n'est-ce pas, le plus aimé, n'est-ce pas? L'homme le plus aimé de la France de tous les temps. Parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il faut travailler en profondeur. Il faut véritablement extirper la graine, la mauvaise graine, ou extirper ce virus qui avait déjà infecté, n'est-ce pas, la vie des citoyens maliens et beaucoup de pays africains aussi ont ce virus-là, qui est de faire croire que non, nous sommes là pour le peuple, nos partis politiques, nos sociétés civiles, nous sommes là pour le peuple. Donc, élection, allons aux élections. Mais non. Nous avons le dialogue qui est là maintenant. Asseyons-nous. Et nous savons tous, et Ivoirien l'avait chanté, tous unis autour d'une tasse de thé, n'est-ce pas? Parce qu'en Afrique, nous avons ce qu'on appelle l'arbre à palabre. C'est autour d'une tasse de thé que beaucoup de choses se disent. C'est autour du feu, n'est-ce pas? Soit au village, où on allume le feu et tout le monde est assis. Grand-père, arrière-grand-père, père, jeune, enfant, maman et grand-mère et tous, tout le monde est assis et c'est là où beaucoup de problèmes se règlent. Je pense qu'aujourd'hui, ça est, c'est une très belle vision de dire que on va maintenant au dialogue inter-malien pour arrêter un certain nombre de choses que nous allons mettre, implémenter pour le bien-être de notre pays. Merci à vous, André-Christelle Fanga. Au standard, nous y allons immédiatement avec notamment le premier appelant de cette soirée, M. Sidi. Vous nous appelez depuis le Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir, Voyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Bonsoir au pasteur André-Christelle Fanga. Un pasteur pas comme les autres, qui raisonne en fonction des intérêts de son peuple. Merci, pasteur, pour le sacrifice de chaîne panafricaniste en chaîne panafricaniste et au jour le jour. Bonsoir à mon très cher frère Nguéné. Merci pour tout, c'est valable pour toi aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Dieu saura vous le rendre au-delà de vos attentes. Lorsque j'ai fini de dire ça, monsieur Nguéné, reconnaissez que les chaînes panafricanistes sont bien écoutées par nos présidents dignes patriotes panafricanistes. Parce que dans cette chaîne, on a crié. Il faut qu'on commence par envoyer les militaires, qu'on appelle les politiciens qui demandent aux élections au front pour qu'ils sentent que le pays n'est pas encore normal. Assimi Goïta a trouvé, on appelle une formule toute bien faite. Pour le moment, le pays est en guerre, on suspend tout ce qui est politique. Nous ne sommes pas venus faire de la politique, mais nous sommes venus libérer et le territoire, et le continent, et le peuple. Voilà le message, il est très clair maintenant. Je suis complètement, entièrement d'accord avec eux, et sur ce point, il n'y a pas de retour. Maintenant, ce que peut-être certains craignent à dire, qu'on appelle au niveau du panafricanisme, c'est un seul point, M. Nguéné. Il faut dire aux Occidentaux qu'il n'aura plus d'élection. Au Cuba, il y a eu près de 50 ans, 60 ans, qu'on appelle de révolution. Hein. Mais écoutez, ils ont tué notre pays, notre continent pendant plus de combien de siècles? Pendant près d'une soixantaine d'années. Donc il nous faut plusieurs années pour pouvoir relever ce qu'on appelle les défis au niveau de l'éducation, parce qu'on a été endoctriné, on a été, qu'on appelle, mentalement atteint. On est nombreux en tant qu'intellectuels à croire que sans la France, sans l'Occident, l'Afrique ne peut pas avancer. C'est ce qu'ils ont réussi à nous mettre dans la tête. Il faut enlever tout ça. Et maintenant, penser aux ressources, penser à tout ça. On a besoin du temps. Ce n'est pas une affaire de 5 ans. Le dialogue intermalien va décider d'ici peu de temps
de quoi qu'on appelle quelle sera la nouvelle donne, parce que n'appartenant plus à cette association criminelle, le chef d'État mal élu. Donc ça veut dire qu'il aura une autre nouvelle donne qui va mettre la transition sur la voie. Nous sommes fiers du Mali. Le Mali est vraiment un miroir sur lequel tous les autres doivent se mirer et continuer par élever le panafricanisme à son dernier degré. Parce que l'objectif final, c'est la libération définitive et complète de notre continent. Je ne saurais terminer mon propos sans parler, bien sûr, de la monnaie qui, à mon sens, est en train de durer, parce que le Zimbabwe, lui, il a déjà décidé de sa monnaie. Donc, nous attendons la monnaie au niveau de l'AES. C'est tout ce qui nous attend. Force, courage à tous les révolutionnaires. Courage à Assimi Goïta. Vive le Mali et que les endocolons et obscurantistes soient détruits. For you television, another view of the world. C'est Dieu. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah. Mmh. Assalamu alaikum. Monsieur Sidi Dépul Bénin, merci pour votre contribution ce soir. Le standard, il est ouvert et d'ailleurs, nous prenons un autre appelant ce soir. Allô, bonsoir à vous. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Mmh. C'est Intia depuis Angleterre. Mmh. Bienvenue, monsieur Intia. Au thème à vous, monsieur Nguéné, au thème à monsieur Fanga, au thème à tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, il y a trois groupes de nègres. Il y a trois groupes. Il y a un groupe qui est, il y a deux groupes qui sont malades et il y en a qui est malade comme moi, qui suis malade, j'ai cherché pour se guérir. Mais il y a un autre groupe qui est malade, qui ne veut pas se guérir, qui a peur. Mais il y a un autre groupe des nègres qui entend les billets de dollars des colonies. Donc vous voyez ces groupes-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Les groupes comme moi, qui est malade, qui cherche pour guérir correctement, comme vous, M. Nguéné, comme tout le monde qui nous écoute sur For You Media, et comme vous, M. Fanga, nous, on est malade, on cherche pour se guérir. Vous savez les problèmes qui se passent. M. Nguéné, je vais prêter un mot ce matin de votre invité qui disait notre ancêtre, ils ont parti, il nous a laissé les villages. Moi, je vais ajouter, il nous a laissé les villages. Ils n'ont pas laissé les frontières, ils n'ont pas laissé les démocraties. Nous, c'est les maths. Donc, les Européens, avec leur démocratie, c'est pour eux là-bas. Et je vais dire, toutes ces les positions de tous ces les politiciens là. Je ne sais pas, les politiciens jusqu'à même les présidents de la République. Ces gens-là, ils savent très bien, je sais, ils ont lu les chartes des Nations Unies, la charte des conférences de Berlin, la charte de l'Union européenne, la charte de l'Union africaine. Ces chartes-là, tous sont contre nous, les Africains. Ils savent très bien les élections, même si même les présidents aujourd'hui, là, qui sont dans notre pays francophone, là. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour les populations parce que les chartes-là les ont bloqués. Parce que ces chartes-là, ils ne peuvent pas venir pour se mettre à question pour les problèmes des frontières, de la monnaie, du développement de l'Afrique. Ils savent très bien, ces gens-là. Comme vous voyez les gens de Mali, les politiciens au Mali, là. Je sais, ils savent très bien, mais comme ils sont méchants, comme ils sont malades, ils ne veulent pas se guérir. Ils veulent nous mettre tout dans les problèmes. Oui. Ils veulent nous mettre tout dans les fondations de l'Afrique. Mais les problèmes, moi, je n'appelle pas l'Afrique déjà. Parce que quand on appelle l'Afrique, là, ça les fait très plaisir. On va appeler africaine à notre nom avant.
Parce que notre ancêtres, ils ont laissé... En 30 secondes, monsieur Intia. Tassinit, c'est notre... Vous appelez comme vous voulez. Donc, l'Afrique, on est en train de souffrir à cause de ces gens politiciens-là. Nous avons été coupés, monsieur Intia, mais le standard reste ouvert. Revenez quand vous le pouvez, de toutes les façons. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre en ligne? Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Il n'est jamais parti. Est-ce que vous nous recevez toujours, monsieur Intia? Alors, je pense que cette fois, on l'a perdu. À notre téléspectateur qui nous rejoint à l'instant. Allô, bonsoir à vous. Ok, bonsoir. C'est Zéphir depuis l'Allemagne. Je vous salue. Je salue le pasteur. Je salue tous les techniciens des For You. Et je salue ma diva, Manuela, et sans oublier les autres. Alors, c'est que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est la danse des sorciers. Tu vois, c'est la danse des sorciers parce que ce que les gens sont en train de faire, ce que ces militaires sont en train de faire. Mais quand le Mali était divisé en deux, là, je ne sais pas, en deux ou trois, mais ces politiciens, ils étaient où? Ils étaient où? Ces politiciens, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas dit, comment dirais-je, le Mali est divisé, on va faire rapidement pour qu'on puisse réunir ce Mali qui était divisé pour que nous fassions quelque chose. Mais eux tous étaient cachés. Et tous étaient cachés. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire quelque chose. Le pays n'est pas encore stable et ils veulent les élections. C'est pour tout ce que le travail que les militaires ont, ce qu'ils ont effectué là, ils veulent remettre ça aux Européens et aux Français. C'est à cause de ça qu'ils sont chauds. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est là, son pays, aujourd'hui, tu es là, tu veux voir au bout du tunnel et tu es pressé pour les élections. Parce que moi, ces militaires-là, je n'ai même pas écouté ces politiciens-là. Parce que celui qui veut machin-là, il faut leur dire que bon, comme le pays n'est pas encore unifié, vous allez partir au front pour travailler là-bas. Parce que comme ça, quand on aura fini totalement de unifier le pays, on va passer aux élections. Les gars sont en train de travailler 24 heures sur 24 heures, ils ne dorment pas. Et vous levez parce que vous avez chose. Et vous êtes assis avec des petits Français dans les cabarets et vous venez embêter les gens. Moi, je ne comprends pas l'Africain. Je ne comprends pas l'Africain. Mais moi, je pense que ces ministères qui sont au pouvoir, là, ils n'ont qu'à faire le système de rolling. D'assez. Parce qu'il est resté là pendant le temps qu'il a voulu après qu'il a organisé les élections. Et après, il a gagné ces élections. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis pression sur lui. Il a bien travaillé sur le Ghana avant qu'il dise aux gens, aux politiciens, là, maintenant on va passer aux élections. Celui qui veut, là, il n'a qu'à se présenter, mais il peut en partir. Et qu'ils ont organisé, il a gagné les élections. Et il a fait ses mandats, et puis il a laissé le pouvoir maintenant aux autres. Mais, parce que moi, aujourd'hui, là, les Maliens n'aiment même pas s'amuser même à faire ce genre de trucs. C'est quelle pression? C'est quelle pression qu'on met sur vous là? Les pressions des petits Madiago qui sont là, des petits voyous qui sont là, pour demain, vous allez remettre ce pays là dans les mains encore des Occidentaux pour que les Maliens puissent encore souffrir? Non, il faut que vraiment l'Africain, il faut qu'on mette un peu d'eau dans nos Nyamakoudji, dans nos jus de j'aime là. Parce que comme ils ne boivent pas chose, comme on est 20 là, ils n'ont quand même un peu d'eau dans leurs yeux, ils sont dégueu là. C'est qu'elle a fait ça. Moi vraiment, je suis découragé de l'Africain. Je suis découragé de nos politiciens, pas tous les Africains. Tous ceux qui veulent avancer là, moi je suis avec eux, mais tous ceux qui veulent reculer là, il faut qu'on les mette de côté pour que nous puissions aller de l'avant. Les gars, mais ils sont en train de travailler matin soir pour que vous ayez vos monnaies, pour que vous ayez votre indépendance totale et vous êtes pressé. Parce que moi, le militaire, mettez-le en garde. Celui qui embête, mettez-le quelque part et on n'attend plus son nom. Parce que c'est ça que l'Africain aime.
Parce que quand tu veux dialoguer avec l'Africain, il pense que lui, il a le monopole de la violence, il a le monopole de faire de ce qu'il veut. Mais quand tu lui montres carrément ce qu'il doit, il doit comprendre, là, quand ça rentre dans ses oreilles-là, c'est-à-dire qu'il va, il fait plus ce son. Il se trouve comme un cabri. Parce que vous vous asseyez avec eux, vous les écoutez, c'est à cause de ça. Ils sont en train de faire le petit malin sur vous. Dites qu'il n'y a pas d'élection. Un point très. Merci. Merci. Parce que c'est énervant, c'est gars. Merci à vous, Erfel. Merci pour votre contribution, Zerfeld, depuis l'Allemagne. Nous restons au standard avec notamment notre appelant qui nous rejoint. Bonsoir à vous, monsieur. On vous appelle comment ? Allô ? Oui, monsieur. Bienvenue à vous. Allô ? Oui, monsieur. Bienvenue. Oui, bonsoir. Je peux intervenir ? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir aux éminents panélistes. Donc moi, j'appelle depuis la France. Voilà, donc moi, encore une fois, c'est Christian à l'appareil. Une fois de plus, enfin, ce que je constate, c'est que il y a les politiciens, en fait, ce que moi, l'impression que ça me donne, l'image, en fait, l'homme, mais les politiciens africains, ne sont pas préoccupés par le bien-être de leur population ou par le bien-être du continent, du pays. Ils sont là tout simplement pour... voilà, pour qu'on les acclame, pour qu'on les applaudisse, c'est-à-dire véhiculer toujours ce système qui consiste à ronger la foule, à donner les billets d'argent, 1000 francs, 2000 francs, avec des t-shirts à leur effigie, voilà, pour goûter à ces bains de foule comme des rock stars. Mais alors que il y a un continent à construire, un pays. Oui, c'est au-delà. Le Mali, ça, voilà, c'est tout le continent. C'est à donner l'exemple. Parce que j'entendais des fois dire, oui, ça, on doit aller aux élections pour nous réconcilier avec la communauté internationale. Quelle communauté internationale? Mais ces communautés internationales, tout ça là, c'est des succursales de. On l'a compris. Aujourd'hui, c'est des l'ONU. La CPI, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, même l'OMS, tout ça c'est des succursales de l'Occident. Tout ça c'est les États-Unis. Donc voilà, encore, mieux vaut tard que jamais. Mais par contre, les militaires, ils montrent vraiment le patriotisme. Et il y a un pasteur, je pense, qui est sur le plateau, il en conviendra avec moi, et je terminerai par là, comme Jésus l'a dit, qu'il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu, un chef, il est là pour être au service, pour être au service d'un intérêt commun, et non à son propre service. Mais ces politiciens-là, c'est des politiciens véreux, ils veulent tout simplement servir leur nombre. Je vous en remercie. Christian, depuis la France, nous restons au standard. Allô, bonsoir à vous, et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Oui, monsieur. Allô, on vous appelle comment? Bonsoir et bienvenue. Allô, bonjour. Merci, monsieur. Bienvenue à vous. Oui. Merci beaucoup. Aussi, j'appelle de la voir ce qui se passe au Mali. Je pense que les autorités maliennes doivent prendre une disposition parce que il y a des choses qui se passent. Voyons un peu sur deux aspects, sur le cas de la Côte d'Ivoire et la Libye. Les Français, ils sont en train de préparer nos frères africains pour venir déstabiliser le Mali. C'est-à-dire, ils voient des jeunes, des vieux, je ne sais pas qui, où, Mali, pour donner 50 millions, 20 millions, 300 millions, allez-y, vous dites que non, organisez les élections. Allez-y, dites, on va organiser les élections. Non, hein, on ne peut pas organiser les élections. Quand je pense à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, le Mali ne peut pas organiser les élections. Le Mali, présentement, ils sont en train de travailler. Et moi, je veux lancer un appel à la population malienne pour les dire, ou pas, ils vont écouter les opposants. Sinon,
ils vont regretter comme la Libye regrette aujourd'hui. Si la population Mali a écouté les opposants, ils vont regretter de la manière la Libye regrette aujourd'hui. On apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Aujourd'hui, les Libyens, ils regrettent aujourd'hui, M. Kadhafi, aujourd'hui, le président Kadhafi, les Libyens le regrettent aujourd'hui. Alors, moi, je vais dire à la population malienne, les opposants, ils n'ont qu'à les balayer, ils n'ont qu'à les chasser dans les pays. Au soir, ils restent tranquilles. En Côte d'Ivoire, le pays était divisé en deux. Vous avez vu dans un pays où il y a deux amis. Mais Babou a fait quoi? Il a accepté pour organiser des élections. Il y a eu quoi? Non, il y a eu quoi? Si dans un pays, il y a deux amis. Donc, quand ici, dans un pays, si un opposant, il a son armée à part, et puis le président lui-même, il a une armée nationale à part, dans un pays, il y en a. Mais en Côte d'Ivoire, si on a vu ça, et puis on a vu ce qui s'est passé. Donc, si le Mali ne veut pas que Nidabé se casse au Mali, il n'a qu'à inviter des et les opposants, surtout la population. Surtout la population n'a qu'à écouter les dirigeants du Mali. Les élections, là, ce n'est que un jeu. Après, on va organiser des élections. Si le Mali, maintenant, est en paix, le Mali se dirige, le Mali, maintenant, vous voyez que non, on peut organiser des élections, on organise des élections. Sinon, s'ils ont écouté les opposants, le Mali serait en feu. Le Mali serait en feu, comme s'ils ont cassé Nidabé. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie, messieurs, à tout le monde. Je ne maîtrise pas un peu les noms, mais à chaque fois, il y a For You Media, en tout cas, c'est ma chaîne nationale. Ces canaux disent qu'ils vont supprimer For You Media si le bouquet, le canal va quitter en Afrique. Ça seulement, je vous le dis. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On vous écoute, on est toujours ensemble. Merci à vous. Vive l'Afrique. Toujours aux côtés, bien sûr, des invités, André Kisselfanga, Yves, Ibrahim Bouka ou encore Moussa Zandiara. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguémé, si je prononce bien. Monsieur Nguéni. Nguéni, ok, oui. D'accord, ok. Bon, je vous salue paternellement. Merci. Je salue votre panel. Maintenant, intervenant, et j'adresse aussi une félicitation à votre chaîne. Moi, c'est monsieur Kofi, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Bon, je voulais un peu intervenir sur le cas du Mali. Avec le dialogue qui doit se passer bien, qui est en train de se passer, je ne sais pas. Mais moi, ce que je voulais dire, que le Mali n'a qu'à faire très attention, parce que c'est un piège encore de la France, en fait. Pourquoi je dis un piège? Parce que c'est pour empêcher le Mali d'aller sur sa lancée. Voilà, et rester dans des petits détails, tels que faut s'attendre sur ceci, mais il faut s'attendre sur cela. La population, moi je pense, ça n'a pas son mot à dire pour le moment. Parce que comme le disait un des intervenants, il y a eu des massacres, il y a eu des morts. Le Mali était envahi. Et tout ça, on le sait, c'était avec la complicité de l'Occident, des Nations Unies, des institutions internationales. Donc, moi je pense que le Mali ne doit pas rentrer dans ce jeu. Ils n'ont qu'à faire un peu comme le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et essayer d'aller de l'avant. S'il faut prendre des dispositions, des lois, qu'il le fasse pour que le pays aille de l'avant. Il n'est pas question actuellement de dialogue national. Non. Ce n'est pas un problème intermalien. Voilà, c'est des terroristes qui sont venus de l'extérieur, du Tchad, de l'Algérie, de partout, de la France, des États-Unis, pour attaquer le Mali, partitionner le Mali. Et aujourd'hui, grâce à la dextérité du colonel Assimi, le Mali s'en est sorti, avec les autres pays aussi, tels que le Niger et le Burkina Faso. Bon, je pense qu'ils doivent plutôt penser à une monnaie commune, à établir une monnaie commune. Ils doivent plutôt penser maintenant au système monétaire de leur pays, pour vraiment avancer. Parce que là, ils se mettent en retard. Et la France veut encore les mettre en retard. Moi, j'ai suivi une de vos chaînes, je ne sais pas si c'est sur Afrique Média, où j'ai vu les députés français en train de discuter sur la monnaie africaine, qui veulent supprimer le CFA
et puis imposer aux Africains de créer une monnaie. Bon, quels sont ces Africains-là? Je suppose qu'il s'agit de ceux qui ne sont pas dans l'AES. Et s'ils le font, c'est une manière pour eux de persécuter les gens de l'AES. Donc en initiant ce dialogue, cette histoire de dialogue avec des opposants qui sont à leur solde, parce que je vous le dis, la France qui vient dans un pays, ils ont des partis politiques qui sont à leur solde. Ça, c'est ce que je vous dis, les hommes politiques travaillent. Voilà, ils ont des ristournes par les visas, par ceci, cela. Ils ont des ristournes de la part de l'ambassade de France dans leur pays. Donc, ils sont à la solde de la diplomatie française. Et ils sont là avec vous comme des espions, des agents secrets français. Et on ne le sait pas. Donc, ce sont eux qui envoient ce genre d'idées-là. Hein, ils font ce genre de pression pour qu'on se détourne de l'essentiel, du but même. Voilà. Que, franchement, les dirigeants du Mali se sont fixés. Voilà. Je pense qu'il faut, il faille pas qu'ils regardent, en fait, sur ce côté-là. Voilà. Les gens parlaient de la crise ivoirienne. Bon, mais il n'y a pas eu de crise en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de crise en Côte d'Ivoire. Mal en est venu à la France de faire souffrir les Ivoiriens. C'est tout. Voilà. Et puis, on a vu ce qu'il y avait. On a même fait ici un dialogue direct. Et tant que l'intérêt de la France n'était pas appliqué, ben écoute, ça a accouché d'une souris. On a vu la résidence du président Gbagbo bombardée par les Français qui étaient au début qui étaient neutres, mais curieusement, qui n'ont pas voulu appliquer les dispositions légales de défense. Et ensuite, on a vu qu'ils sont allés s'interposer avec un mandat onusien. Et quittés de là, ils sont devenus partie prenante, ils sont devenus des rebelles, des terroristes, ils sont venus bombarder le domicile du président Laurent Gbagbo. Donc je pense que c'est tous dans la même dynamique. Voilà, ça c'est pour faire accoucher d'une souris. C'est tout. Voilà, la transition est venue, il se trouve que le délai de la transition est passé, mais on le renouvelle. Écoute, les terroristes ne sont pas encore partis. Il y a des pays qui sont encore là en train d'abriter des terroristes. La lutte n'est pas encore finie. Voilà, même s'il faut en 2036 ou bien 2050, mais qu'ils trouvent des dispositions légales pour prolonger la transition. Voilà. Parce que tu vas mettre un civil, il a ses intérêts en France, tu le sais, mais il va venir, c'est pour encore boycotter. On a vu le Mali était sorti de la France, ils avaient leur monnaie. Mais après, c'est un des leurs dirigeants qui est revenu remettre le Mali dans la Françafrique. Donc je pense que faut pas que le Mali refasse encore pour la troisième fois la même erreur. Voilà. Donc ils n'ont qu'à quitter dans leur créer un système monétaire avec les autres, adosser leur monnaie à leurs ressources naturelles, et puis c'est tout. Maintenant, celui qui a besoin de ces ressources, il prend dans leur monnaie, et puis c'est tout. Voilà, ils établissent des partenariats avec des pays qui sont consentants, qui reconnaissent leur monnaie, et puis c'est fini. Voilà, on n'en parle plus. Voilà, les autres vont suivre. Voilà, les pays tels que le Togo, le Bénin, machin, qui ont besoin, mais ils vont suivre, ils seront bien obligés de suivre. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a lancé son plan. Hein? Voilà, il dit, vous allez vous affranchir. Et le temps de l'affranchissement des Noirs est arrivé. Voilà, des Africains est arrivé. Grâce au président Vladimir Poutine, c'est arrivé. Voilà, on est conscient du partenariat qu'on veut signer. Si les Occidentaux veulent traiter avec nous, ils traitent dans nos monnaies. Avant, par le passé, je ne vais pas être long, par le passé, au 16e, au 14e merci. Siècle. Merci, monsieur. Siècle, où le Mali encore existait. Voilà. Hein? Mais comment ils faisaient pour venir faire des transactions avec le Mali? Merci. C'était des trocs, c'était des échanges. Merci pour votre contribution. Hein, les venaient. Merci les pour votre contribution. Les Anglais, les Français, ils venaient. On va essayer voilà. d'avancer, monsieur. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Il faut que le Mali se mette dans une dynamique d'évolution, dans une dynamique sociale d'évolution. Il ne faut pas qu'il veuille écouter les partis. Il faut dissoudre les partis politiques. Il les dissout. On a vu Soufou Bahi, il a dissous les partis politiques. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était multipartite avant l'indépendance. Et même à l'indépendance, il faut dissoudre les partis politiques. Et on a fait un seul parti, le PDCI RDA, comme parti unique. Merci à vous, monsieur. Voilà. Merci pour votre Comment contribution. Je pense que s'il se trouve que. On va essayer d'avancer. On va essayer de donner la parole à deux derniers téléspectateurs. Du processus malien. Il faut que le colonel Assimi Goïta prenne des décisions avec son équipe pour qu'il soude les partis politiques le temps que la situation s'améliore et on réorganise le tissu politique. Voilà. Merci. Je vous remercie.
Voilà, le message il est passé, merci, merci. On va essayer de prendre deux, voire trois derniers avant de revenir sur le plateau. Nous avons encore une autre thématique que nous devons impérativement aborder ce soir. Allô, bonsoir à vous. Allô, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir, monsieur. D'accord. En fait, je vous appelle depuis Niamey, Niger. J'aimerais intervenir par rapport à la thématique d'aujourd'hui. En ce qui nous concerne, nous, peuple de l'AES, nous saluons cette décision des autorités maliennes de transition par rapport à la dissolution des partis politiques et toutes les associations qui ont des colorations politiques. Et en ce qui nous concerne, nous savons très bien que les partis politiques et les politiciens ont échoué dans leur mission. Donc, tout ce que nous demandons à nos autorités des pays membres de l'AES, c'est de continuer à viser l'objectif de la libération totale de nos États. Nous sommes des États menacés par des terrorismes fabriqués et entretenus par des États voyous qui sont la France et les États-Unis. Donc nous ne pouvons en aucun cas accepter à ce que les collabos, c'est-à-dire les alliés de ces terroristes-là, de ces puissances criminelles, revenir au pouvoir et remettre tout en cause. Parce que ce que les gens sont en train de faire au niveau de nos États, les dirigeants que nous avons, c'est la seule voie à suivre, c'est la seule voie de salut. Et c'est ce que nous, en tant que peuple, attendons. La transition n'a même pas commencé au niveau de nos États, de l'AES. Aucun parti politique ou bien aucun politicien ne va nous arrêter par rapport à cette dynamique. Nous allons continuer à se battre pour d'abord récupérer les partis qui sont déjà entre les mains des bandits, des terroristes, qui sont des alliés de la France, et à l'interne, tous ces valets locaux, ces politiciens traîtres fabriqués par la France, on va essayer de les réserver les sorts qu'ils méritent. On ne va jamais accepter, au plus grand jamais, qu'un politicien traître revient à nos États et remettre tout ce travail-là que ces dignes fils de ces États-là sont en train de faire. Je parle ici d'Abdraman Tchani du Niger, et Assimi Goïta du Mali et Ibrahima Traoré au niveau du Burkina Faso. Donc nous continuons à les encourager, à les soutenir. Ces voyous politiciens, la traître qu'ils sont, ils sont à la limite de leur mission. C'est fini pour eux. On a compris que ce sont des fabriqués de la France pour continuer à nous maintenir dans l'esclavage, dans la pauvreté et dans la misère. Merci. Et ces autorités que nous avons, ce sont des autorités qui sont prêtes à faire en sorte que nos États puissent aller de l'avant et recouvrir leur souveraineté. Sur ce, je vous remercie et je salue les invités. Nous allons continuer à vous soutenir. Nous allons continuer à soutenir les autorités jusqu'à la victoire finale. Merci à vous. Je vous remercie. Merci à vous et à tous ceux qui nous suivent, d'ailleurs, au sein de l'espace du Litako Gourma, Mali, Niger, Burkina Faso, entre autres. Allô. Allô, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Oui, c'est André depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir, monsieur Nguéné, et bonsoir, monsieur Christelle Fanga. Oui, je sur le sujet malien, j'avais toujours dit que le problème de Mamou Diko, de l'imam Mamou Diko au niveau du Mali, que Mamou Diko était un caillou dans la chaussure des Maliens. Et profitant du fait que les autorités maliennes ont suspendu les élections. C'est vraiment, moi je les félicite pour cette décision-là. Parce que les ONG profitent de ces partis politiques qu'on a au Mali pour pouvoir financer
le désordre qu'eux, ils sont en train de préparer au niveau du Mali. Et en cela, donc, nous constatons que même tous ces pays-là qui, à travers le monde, nous parlaient de la démocratie, n'en disposent pas tellement de partis politiques comme on en a en Afrique. En Afrique, dans d'autres pays, vous comprenez 300 partis politiques, dans d'autres, vous comprenez 200. Je ne sais pas combien de partis politiques existent aux États-Unis, si ce n'est que les partis républicains et démocrates. Et en France, on va entendre parler de partis de gauche ou partis de ceci. Mais en Afrique, on en a des pléthores de partis politiques qui sont noyautés par les ONG, financés par ces ONG-là, pour nous introduire des troubles dans nos différents pays. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Africain ne devait plus parler de la démocratie, parce qu'on a vu ce que cette démocratie a apporté à travers le monde entier. Regardez la démocratie qui s'est passée en Libye. Regardez la démocratie qui se passe un peu de partout. Pourquoi ces Occidentaux ne demandent pas à l'Ukraine d'organiser les élections? Et justement, pourquoi ils font le jour, ils sont avec avec le peuple, et la nuit, ils donnent les comptes rendus au bloc américano-occidental afin de recevoir les financements via ces différents ONG qui se trouvent sur nos territoires. Normalement, on devrait faire partie de tous ces ONG-là, parce que sont eux qui nous apportent le trouble et financent toutes ces djihadistes que nous trouvons au niveau du Mali. Et M. Nguéné, vraiment, je vous félicite pour ce sujet ce soir. Je dis merci à Foyou Media. M. André, merci. Depuis la ville de Bafoussam, c'est à l'ouest Cameroun. Est-ce que nous avons un dernier, vraiment? Cette fois, je pense que ça sera le dernier avant qu'on fasse rapidement le tour de table autour, du moins le tour de table sur le sujet concernant la visite en Côte d'Ivoire du président du CTRI, président du Gabon. Allô, bonsoir à vous. Ah, nous revenons provisoirement sur le plateau en espérant bien sûr pouvoir faire un dernier tour au standard avant la fin de cette émission de Point sur l'actualité. Alors Yves Ibrahim Bouka, qu'attendez-vous réellement de ce premier déplacement du côté d'Abidjan de votre président, le général Brice Clotaire Olingingema, qui a donc été reçu ce 11 avril 2024 du côté d'Abidjan par son homologue ivoirien, le président Alassane Dramane Ouattara. On rappelle que la dernière fois que les deux chefs d'État sont rencontrés, c'était du côté de Riyad en Arabie Saoudite, à l'occasion bien sûr du sommet Arabie Saoudite-Afrique. C'était au mois de novembre dernier. Alors, que faut-il attendre justement de ce déplacement? On le voit d'ailleurs sur les images, la main, ou du moins la poignée de main, pleine d'amitié d'ailleurs, entre les deux chefs d'État qui ont évoqué entre autres des sujets d'ordre, ou du moins des sujets en rapport avec les relations de coopération bilatérale entre Libreville et Abidjan. Oui, mon frère Nguéné, donc cette actualité du côté du Gabon, actuellement, effectivement, suscite bien des interrogations auprès donc, des personnes qui suivent l'actualité politique du Gabon, surtout que nous savons tous que le Gabon actuellement vit une transition militaire conduite donc, par le général de brigade Brice Clotaire Olingingema. Et actuellement même, dans le cadre de cette transition, nous sommes en plein dialogue national inclusif, qui a été l'une des conditions qui avait été mise pour avancer par non seulement la CEEAC, d'accord, mais également l'Union africaine pour permettre au Gabon de retrouver sa place dans le Conseil des Nations africaines, puisque au lendemain du coup d'État qui a porté donc le général Ligui au pouvoir, le Gabon avait été exclu donc de la CEAC et de l'Union africaine. Donc maintenant que ce dialogue a été lancé et le chronogramme de la transition a été également présenté officiellement, maintenant le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, va entre autres pour aller donc rencontrer son homologue ivoirien pour maintenant essayer de négocier. Donc ça c'est officieusement, hein, officiellement on parle de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, mais officieusement la raison qui est effectivement avancée, citée dans les couloirs, c'est que le président Oligui-Nguema va pour essayer de plaider, pour essayer de faire en sorte que le président de la Côte d'Ivoire, donc Alassane Ouattara,
puisse plaider pour lui auprès, non seulement de l'Union africaine, pour la réintégration du Gabon des activités et des organisations de l'Union africaine dont elle a été exclue au lendemain du coup d'État, mais également, surtout, auprès des bailleurs de fonds. Vous savez que le Gabon, qui a été dirigé pendant près de 56 ans par la famille Bongo, a été laissé exsangue sur le plan financier. Le Gabon a d'énormes difficultés sur le plan financier, et ça se ressent au niveau du social. Les Gabonais sont un peuple appauvri, mais extrêmement appauvri. Aujourd'hui, le chômage est en train de frôler près de 50%, je veux dire, de la population active au Gabon. C'est vraiment du jamais vu au Gabon. La pauvreté est vraiment galopante. Donc, ça, c'est un boulet au pied du général de brigade Brice Clotaire Olignema, qui cherche effectivement des moyens pour pouvoir apporter des solutions à la situation sociale des Gabonais, qui aujourd'hui est totalement explosive. Cela peut effectivement être interprété dans le sens où certains disent que le président, le général président, compte bien se présenter à la présidentielle, surtout que il y a des voix qui commencent à murmurer un peu à gauche, à droite, disant qu'il a des ambitions présidentielles. Bon, bref, là n'est pas la question, mais ce qui est sûr, c'est que Alassane Ouattara, connaissant son carnet d'adresse assez fourni auprès des bailleurs de fonds, déjà qu'il a été un ancien directeur du FMI, donc c'est quelqu'un qui peut effectivement, à ce niveau, permettre au Gabon d'accéder à des prêts bancaires au niveau de la Banque mondiale, le FMI, avoir pas de doute là-dessus. Le président Ouattara pourrait éventuellement peser de tout son poids afin que le Gabon réintègre officiellement l'Union africaine, mais surtout afin que le Gabon revienne dans les bonnes grâces justement de ses bailleurs de fonds internationaux. Pour vous, il n'y a pas de doute là-dessus? Non, aucun doute, bien sûr. Connaissant le poids, comme je disais tantôt, le poids de Alassane Dramane Ouattara au niveau du continent africain, aujourd'hui, quand on regarde la plupart des chefs d'État qui ont des bons rapports avec les Occidentaux, qui sont les pays principaux bailleurs de fonds, d'accord, il est clair que le choix d'Alassane Ouattara est bien pensé, d'accord. Et comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui a été également ancien directeur, donc qui est également ancien directeur du FMI. Donc il peut, par son carnet d'adresse, permettre au Gabon de pouvoir bénéficier des financements pour essayer d'apporter une bouffée d'oxygène sur le plan social au Gabon, parce que la situation du Gabon sur le plan social est explosive. Le général de brigade Brice Clotaire Olignema ne peut pas réussir sa transition si les Gabonais continuent effectivement à revendiquer, à boire et à manger. Vous voyez ? Donc c'est clair que, pour moi, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Il y a ce calendrier-là, il y a ce, je veux dire, cette raison officielle, mais également cette raison officieuse qui justifie aujourd'hui la présence de l'Olignema du côté d'Abidjan. Merci à vous. Une visite donc d'amitié, de travail, de soins, 12 heures du côté d'Abidjan du 11 au 13 avril prochain. Alors André Kistelfanga, comment appréciez-vous justement la démarche aujourd'hui du général Brice Clotaire Olignema? Le Gabon reste suspendu des instances de l'Union africaine et depuis le 30 août 2023 n'est plus dans les bonnes grâces de tous les bailleurs de fonds internationaux. Le président du CTR estime qu'il faudrait aller rencontrer l'un des poids, notamment du côté de l'Afrique de l'Ouest, justement pour que le Gabon non seulement réintègre l'Union africaine, mais trouve la bonne grâce auprès justement de ses bailleurs de fonds. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à un résultat positif aujourd'hui, compte tenu justement de cette rencontre, mais surtout de l'audience accordée au président gabonais par le président ivoirien Alassane Ouattara? Je vous ai toujours dit, M. Nguené, qu'il n'y a pas eu révolution au Gabon. Est-ce qu'on devrait encore en être à ce niveau aujourd'hui? Peut-être qu'il faudrait avancer. Vous avez suivi l'intervention. Je viens juste de commencer. Nguené, laissez-moi développer. Allez-y, André. Nguené, laissez-moi développer. Quand je dis qu'il n'y a pas eu révolution au Gabon, parce que s'il y avait révolution, le général Clotaire Olignema n'aurait jamais rencontré Ouattara. Mais parce que c'est la continuité de la France-Afrique,
En fait, c'est comme si on est à l'aime, c'est une rencontre outre-tombe. Demandez-moi pourquoi je dis une rencontre outre-tombe. C'est au fouet Boigny qui rencontre Bongo. Suivez mon regard. C'est au fouet Boigny qui rencontre Bongo. Deux éléments clés de l'installation du logiciel france-africain. Donc quand je vois cette image, ça me donne du dégoût. Ça me donne envie de ne plus commenter les histoires du Gabon. Parce que quand même, quand on sait que l'Union africaine ne nous a jamais aidés en rien, c'est une organisation bidon, c'est une organisation, une coquille vide. Donc aller plaider pour réintégrer l'Union africaine, c'est faire en fait, vous ne faites rien du tout. Je dis bien rien du tout. Aller plaider pour continuer à avoir l'argent du FMI, vous ne faites rien de nouveau de plus. En fait, vous êtes dans la continuité d'enfoncer le Gabon, l'Afrique et les Africains. Parce que c'est quasiment incroyable et impensable qu'au XXIe siècle, les gens continuent à baser leur économie sur les prêts venus de la Banque mondiale et du FMI. Et je voudrais vous faire un rappel. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ancien directeur du FMI, chargé des questions des économies africaines, est celui qui a amené ce qu'on appelle les privatisations. Et vous savez que les privatisations ont été la cause du chômage, de la pauvreté, du sous-développement de la plupart de nos États. Parce que le FMI a imposé ce qu'on appelle les privatisations. Parce qu'on a dit que vous les Africains, vous n'avez pas un cerveau assez intelligent pour diriger les entreprises. C'est comme ça que la plupart des entreprises publiques et parapubliques ont été privatisées. Alors, il faut rien attendre de la visite, d'amitié, de travail. Tu attends quoi là-bas? Mais tu vas rencontrer la mort et tu t'attends à la vie. Mais monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est la mort. Donc quand vous rencontrez Alassane Dramane Ouattara, vous avez rencontré la mort. Monsieur Oligui Nguema est allé rencontrer la mort. N'est-ce pas un peu excessif, André Christophe? Mais écoutez, quand je parle de la mort, nous savons tous que monsieur Alassane Dramane Ouattara est celui qui cause la mort. On peut prendre des milliers d'exemples, si vous voulez qu'on vous donne les détails pour qu'on l'appelle à mort. En tout cas, c'est votre position, vous l'assumez. Donc, Oligui Nguema nous rappelle les vestiges de la France-Afrique. C'est pour ça que je disais une rencontre d'outre-mer, d'outre-tombe, c'est-à-dire Oufouet Boigny, Bongo, Omar Bongo. Voici ça, voici cette image-là. Donc, pour simplement dire que M. Nguené, c'est des images que nous n'aimerons plus voir chez nous en Afrique. Et surtout pour soi-disant quelqu'un qui a fait un coup de force, quelqu'un qui a fait une révolution, pour aller réclamer l'aide pour qu'on l'amène encore au FMI, pour qu'on l'amène à la Banque mondiale, pour qu'on l'amène à l'Union africaine, pour qu'on essaye de... Non, je pense qu'aujourd'hui, la rupture doit être totale et vraie. Et c'est cette rupture-là que nous prêchons ici. C'est cette rupture-là, c'est-à-dire, nous ne voulons plus du FMI. Tout ministre des Finances qui propose à son État les conventions avec le FMI, les prêts au FMI, c'est un criminel. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le répéter. Tout ministre des Finances, en fait, tout dirigeant africain, n'est-ce pas, en ce 21e siècle, qui proposera des solutions venant du FMI, est un criminel. Et il doit être poursuivi pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Parce que le FMI n'a fait qu'appauvrir. Citez-moi un seul pays qui a été développé par le FMI ou bien par la Banque mondiale. Aucun. Donc, vous comprenez que aller demander, aller plaider pour que le FMI revienne, pour que la Banque mondiale revienne, pour que l'Union africaine, qui est sous-financée à 70% par l'Union européenne, donc la plupart des fonctionnaires de l'Union africaine sont les fonctionnaires de l'Union européenne. Donc, vous comprenez qu'en réalité, c'est
trois choses bidons qui ne nous servent à rien. Donc c'est une rencontre pour rien. Que Oligui Nguema fasse, n'est-ce pas? Je pense quand même qu'il y a un dialogue. Et oui, je crois sortir, que notre ami le dialogue national du côté du Gabon. Il pouvait attendre d'abord même que le dialogue finisse. Non, c'est sur un mois. Le dialogue s'étale sur un mois. Mais c'est sur un mois. Il peut attendre avant de nous faire voir un spectacle aussi lugubre, aussi malsain que celui-là. Alors, pour sortir de l'émission, il va à Ibrahim Bouka sur le sujet en question, parlant justement de cette visite. Le soir 12h quand même, l'agenda prévoit entre autres, ou du moins, oui, prévoyait la rencontre qui a d'ailleurs eu lieu avec la communauté gabonaise du côté d'Abidjan. Alors, comment tout cela peut être perçu aujourd'hui dans un contexte marqué justement par la tenue de ce dialogue national du côté du Gabon? C'était en une minute pour sortir de l'émission, Ibrahim Bouka. Alors, donc, officiellement, effectivement, la rencontre de la diaspora gabonaise établie en Côte d'Ivoire fait partie aussi des raisons donc, de cette visite. Si on prend en compte le dialogue national qui suit actuellement son cours au Gabon, c'est clair qu'il y a concordance, parce que dans la logique du président Oligui Nguema, il veut fédérer autour de lui, il veut rassembler les Gabonais, il veut en fait ramener cette cohésion nationale, cette unité nationale qui a été mise à mal durant le règne d'Ali Bongo. Donc il y a beaucoup de compatriotes gabonais qui sont allés s'établir en Côte d'Ivoire, qui ont demandé l'exil. J'en veux pour preuve une certaine Madame Laure Olga Bonjour, qui a été une ancienne collaboratrice d'Ali Bongo, qui a eu des problèmes justement quand elle n'était plus en odeur de sainteté avec le pouvoir d'Ali Bongo. Elle a demandé à aller s'établir en Côte d'Ivoire. Donc là-bas également, où le vice-président Oligui Nguema va rencontrer les ressortissants gabonais, surtout certains parmi eux qui sont des figures de poids, qui ont dirigé le pays, d'accord, pour les inviter à rentrer au Gabon, pour ceux qui, effectivement, ne se sentaient plus en sécurité, parce qu'effectivement, l'avènement d'Oligui Nguema à la tête du pays, c'est aussi dans cette optique-là. Donc, ramener un maximum de Gabonais à rentrer au pays, ceux qui étaient partis, justement, parce que le pays n'était plus du tout vivable. Donc, je pense que ça rentre dans cette droite ligne-là, en rapport avec ce qui se déroule actuellement au Gabon, du côté, donc, de Libreville. Voilà. Donc, moi, voilà ce que je peux donner comme interprétation par rapport à ça. Maintenant, pour sortir effectivement de l'émission, pour chuter par là, j'ai envie de croire en Oligui, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui l'entourent, qui me laissent dubitatif par rapport à l'issue de cette transition. Mais j'ai envie de croire. Pour simplement, on va dire quoi, garder cet espoir-là que le Gabon va finir par sortir de l'ornière. Et pour cela, je sais que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est quand même quelqu'un qui aime son pays. Il aime son pays, il aime son peuple. Voilà. Et en plus, signal fort, il a quand même accepté de nommer, de faire nommer à ses côtés comme conseiller, comme un de ses conseillers, le panafricaniste Priva Ngomo. C'est pas rien. Bon, beaucoup peuvent analyser ça comme ils veulent, mais moi je pense que ça, c'est quand même un signal fort. Il n'était pas obligé de le faire. S'il l'a fait, c'est parce qu'il sait que quelque part, effectivement, le Gabon ne peut pas se départir du contexte dans lequel nous sommes actuellement, où les peuples africains, la jeunesse africaine veut véritablement s'affranchir du joug néocolonial français et véritablement arriver à des standards de vie internationaux, des standards de vie acceptables pour son bien-être. Donc moi, j'ai quand même quelques raisons d'être optimiste par rapport à cette transition, même si il y a beaucoup de raisons qui m'amènent effectivement à être dubitatif, comme je le disais tantôt. Donc ce sera là mon mot de fin, et vraiment, j'en appelle effectivement au patriotisme, à l'amour de la nation qui caractérise l'actuel président du Gabon. Voilà, merci.
Aïm Bouka, merci à Moussa Jean Diarra également avec nous ce soir. André Kistelfanga, merci d'avoir été une fois de plus des nôtres. Merci à la grande équipe de la réalisation, à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, tout simplement pour ceux qui nous prennent en relais chaque jour sur les ondes de la 96.3 FM For You Radio. Portez-vous bien, bonne suite des programmes sur For You Media Africa.